pour la Guinée, c'est du genre, nous on a vu Foniqué, franchement, on sait qu'on galère, mais on a vu ce qu'ils en bavent. Donc, franchement, big up, quoi. Franchement, on aimerait beaucoup rencontrer les groupes qu'on a vus dans Foniqué, faire des trucs ensemble. La Guinée a fait ce que le Togo n'a pas pu faire. En 50 chips. C'est-à-dire, non, récemment. Là. Récemment, le vieux comté, il devait partir, il n'avait plus de force. Donc, on l'a évincé, on a pris les rues. Bien sûr, les militaires ont tiré, mais ils ont quand même changé les choses. Ils ont un nouveau premier ministre qu'ils ont choisi d'eux-mêmes et qui essaie de régler les choses. Tu sais comment c'est en ce moment-là, Conakry ? Ouais, actuellement, les militaires, ils ont commencé à tirer en l'air pour manifester leur mécontentement. On a fait sauter le ministre de la Défense, on a fait sauter l'intendant, le chef d'état-major. Et on a mis ceux qu'ils voulaient qu'on mette à cette place. Mm-hmm. Donc c'est un pays qui va de l'avant. Et si c'était à ce niveau, au niveau du Togo, si la rue était plus forte et avait pu imposer son propre premier ministre et a pu changer l'armée, je crois que les choses iront très bien. Ouais. Jean-Pierre, la Guinée.